Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans NCI Sport. Très heureuse d'être avec vous. Eh bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine en ce qui nous concerne. Eh bien, on a travaillé dur pour vous proposer le meilleur de l'actualité sportive de la semaine. Entre basketball et football, eh bien, je vous assure qu'on a du boulot ce soir. Alors tout de suite, oui, on ne perd pas une seule seconde, le sommaire de ce numéro de NCI Sport. Ce soir dans NCI Sport, on fait le bilan de la conférence Sahara de la Basketball Africa League avec la qualification de l'ABC pour les playoffs. Invité, le président et le capitaine des Fighters. On débriefe le match Côte d'Ivoire-Comores. On vous raconte dans les moindres détails la semaine des éléphants. Le premier tifo dans un stade en Côte d'Ivoire au centre d'une vive polémique. En exclusivité, NCI Sport vous fait vivre étape par étape la réalisation de ce tifo. Les buts, les résultats et le classement à l'issue de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 sont également au programme de cette émission. Ah ben, je vous l'avais dit, on a mis les petits plats dans les grands comme tous les lundis soirs d'ailleurs. Oui, le meilleur de l'actualité sportive de la semaine, eh ben, ça se passe tous les lundis de 20h30 à 21h, à 21h30 d'ailleurs, dans NCI Sport. Alors, vous l'avez entendu, on parlera de la Basketball Africa League. Et qui de mieux que le président de l'ABC et le capitaine des Fighters pour en parler avec nous en plateau. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, ben, j'espère et j'imagine que vous êtes un président heureux, là. Tout à fait. Ah oui, gros exploit de la part de votre équipe. Objectif atteint, donc on a de quoi être heureux. Eh ben, super, on est content en tout cas de vous avoir président sur le plateau. Et ben, Stéphane Konaté, oh, bon, vous êtes à la maison ici, Stéphane, comment allez-vous? Ça va très bien, Thierry, merci beaucoup. Bon, ben, bravo, félicitations. Merci. Et vous féliciterez toute l'équipe pour nous, parce qu'on aurait aimé avoir tout le monde. C'est ça. Mais bon, vous étiez en plein entraînement, donc on vous a sorti de l'entraînement pour être sur le plateau, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Et ben justement, on va commencer avec cette Basketball Africa League, on y va pour le jingle, pour le journal de la balle. L'Abidjan Basketball Club verra Kigali pour les play-offs de la saison 3 de la Basketball Africa League. Quatrième de la conférence Sahara, les Fighters s'en sortent plutôt bien. Retour sur leur parcours avec Eustache Niaba et Marco Seri. Objectif atteint, l'Abidjan Basket Club verra Kigali. Au terme d'une phase de conférence âprement disputée, Stéphane Konaté et ses coéquipiers se donnent le droit de disputer les playoffs de la saison 3 de la Basketball Africa League. Retour sur le parcours des Fighters. Pour sa première participation à la balle, le champion de Côte d'Ivoire rencontre le représentant du pays hôte de la conférence Sahara, l'association sportive des douanes du Sénégal. Sans complexe, les hommes de Coach Mills dominent leurs adversaires et l'emportent 76-70. Trois jours plus tard, l'ABC affronte le Rwanda Energy Group. Comme face à la Estouane, les Fighters remportent les deux premiers quarts de temps, 20-17 et 24-20. Mais au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre change. La formation ivoirienne déjoue, entre maladresse et passes mal assurées, ils concèdent de nombreux paniers. Résultat des courses, ils perdent les deux derniers quarts temps et chutent pour leur deuxième sortie, 73-80. Robbie, it was really a tough one. Long range shot coming in, it doesn't sink for Fofana. Après ce revers face au Rwanda, il faut se réveiller. Et l'adversaire se nomme US Monastir, le tenant du titre. La mission est difficile, mais est-elle impossible? Les Ivoiriens répondent par la négative. Grâce aux 33 points et 6 rebonds de l'énorme Amadou Haruna, l'ABC bat le vainqueur de la précédente saison de la balle, 90-74, et se relance. Big statement there. Another reaction from here in the Dakar Arena. Les Fighters ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification historique. Ils affrontent pour leur quatrième match les Nigérians de Kwara Falcons, dernier de la conférence Sahara. Un match apparemment facile. Mais les poulains de Coach Mills rencontrent une farouche résistance et sont menés jusque dans les dernières secondes de la partie. Mais un shoot débilé des grands jours va sortir un shoot venu de nulle part pour offrir aux Abidjanais une victoire inespérée, 76-79. Hit another one, big time
Pour sa première participation, l'ABC peut rêver du titre de champion de la conférence Sahara. Mais pour réaliser ce rêve, il faut battre le Stade Malia. Mais les choses se passent mal pour Stéphane Konaté et ses coéquipiers, qui s'inclinent 90-71. Malgré ces déconvenues, les Fighters valident leur billet pour Kigali. Bravo les gars! Ah ben oui, bravo, hein, bravo. Vraiment, on va parler en détail, hein, vraiment de cette compétition. Mais déjà, bravo, félicitations, on est super fiers. C'est la première fois qu'un club ivoirien arrive à ce niveau, hein, de la compétition. Alors, président, quel bilan est-ce que vous faites, justement, hein, de cette compétition? Bon, le bilan de cette compétition, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes partis avec un objectif précis, c'était de nous qualifier. Et nous étions un peu des outsiders, puisque c'est notre première participation à cette conférence-là. Mmh. Et donc, le plus dur, c'était de bien rentrer dans le match. Je pense que les jeunes ont compris qu'il fallait absolument battre le pays organisateur en match d'ouverture. Étant donné que le pays organisateur nous avait choisi justement parce qu'ils ne croyaient pas du tout, ils pensaient qu'ils allaient faire de nous une bouchée, mais malheureusement pour eux, les enfants étaient bien préparés, et ils ont eu le mental qu'il fallait et le résultat est venu. Alors justement Stéphane, on participe pour la première fois à ce niveau de la compétition, hein, de la balle. Justement, comment on se prépare? Ben déjà, on dit merci aux dirigeants qui ont mis tous les moyens pour qu'on puisse mieux se préparer ici à Abidjan, dans de très bonnes conditions. Et après ça, quand tu arrives sur le lieu de la compétition où le pays organisateur te choisit d'entrer pour le match d'ouverture, tu te dis, ben, comme disait le président, comme nous sommes nouveaux dans la compétition, il se disait qu'en nous choisissant, ben, ils allaient effectivement faire de nous une bouchée. Malheureusement pour eux, la bouchée était très amère. Et puis bon, voilà, je pense que c'est une préparation psychologique, mentale surtout, une préparation, comment je dis, avec tout le groupe. On a des joueurs quand même expérimentés par rapport à cette compétition. Donc on a Chris Opekpa, on a Aruna. Et comment ça s'est passé justement l'intégration, hein, de ces renforts? Ça s'est très bien passé. L'ABC quand même, je pense, c'est une équipe qui est habituée à avoir ce genre de joueurs dans ses rangs. Donc l'intégration s'est très bien passée. On vit comme une famille, ça se passe très très bien. Je pense que c'est cette intégration-là qui a permis à ces joueurs-là de pouvoir exceller pendant cette compétition. Alors, première sortie, bon, ben, ça s'est bien passé. Pourtant, face aux règles, hein, vous avez perdu donc 80-73. Exactement. On a tous pensé quand même que c'était une équipe prenable. Hein, on a tous cru que jusqu'au bout, hein, vous alliez quand même pouvoir renverser la vapeur. Qu'est-ce qui a manqué justement à cette équipe? Ben, je pense que on n'a pas bien exécuté les consignes du coach. On a très bien fait pendant la première mi-temps contre le REC. Et pendant la deuxième mi-temps, malheureusement, on a déjoué parce que je pense qu'on a essayé de pouvoir aider l'équipe comme on le voulait, mais pas comme le coach voulait. C'est D'accord. différent. Après, bon, il y a eu quelques... Pas un problème d'individualité? Je pense. Okay. Vous savez, quand tu joues dans une équipe et qu'il y a ce genre de compétition, tu veux plutôt aider l'équipe comme tu peux. Mais je pense qu'on a essayé de faire de la mauvaise manière pendant la deuxième période. Et voilà, on a payé cash avec cette défaite. Sinon, effectivement, le règle était vraiment à notre portée. Et on a mené le match jusqu'au troisième quart-temps même. Absolument. C'est au dernier quart-temps que le règle est passé dessus. Et malheureusement, on n'a pas pu revenir. D'accord. Alors justement, après cette rencontre, hein, président, vous et tout le board, hein, de l'ABC, vous avez tenu à rencontrer les joueurs. Quel discours est-ce que vous avez tenu? Bon, nous avons tenu à rencontrer les joueurs pour comprendre, parce que nous, des tribunes, nous avons vu qu'il y avait quand même un problème. Et il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Donc, nous avons demandé à rencontrer les joueurs et nous sommes allés les trouver dans leur hôtel. On les a reçus pendant peut-être 30-40 minutes. Et on a détecté le problème et on a essayé de parler avec chacun de ce qu'on pensait et ce qu'on attendait d'eux. On les a remotivés et je pense que c'est ce qui a donné le résultat. C'est-à-dire que nous avons bien fait d'aller les trouver pour parler parce que
il fallait des voix plus autorisées pour parler à certains joueurs et pour les ramener à la raison. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Et a priori, président, ça a marché, hein, puisqu'après, donc face à l'US Monastir, le tenant du titre, eh bien, vous nous avez fait... on a eu droit à un très, très beau spectacle, hein, de l'ABC. Ça a été quoi, justement, les clés de ce succès? On va dire ça en jargon ivoirien, c'était les garants. Ah bon, hein? C'était les garants, mais bon, je pense que les dirigeants ont très bien fait de venir nous voir. Ils ont mis les points sur les i. Ils nous ont redonné nos objectifs qu'il fallait atteindre. Ouais. Et bon, c'est vrai que beaucoup ne croyaient pas au match contre Monastir, contre les champions en titre. Mm-hmm. Et bon, vous savez, le sport de haut niveau, c'est ça. Hein. On s'attend peut-être à grand chose et après, il faut un tout petit peu pour qu'on puisse faire mieux. Et c'est ce que les dirigeants ont fait. Ils ont juste fait un tout petit peu et puis bon, ça... Et dans ce match face à Monastir, est-ce qu'à un moment vous avez douté? Même pas. Jamais? C'était bizarre, on n'a même pas douté. Du début du match jusqu'à la fin. Mm-hmm. Alors, je pense qu'on a été mené peut-être 5-6 points au début, mais après je pense que tout est rentré dans l'ordre. L'équipe d'APC, quand on joue ensemble, quand on partage le ballon, d'ailleurs même, je pense que c'est l'une des meilleures statistiques de partage du ballon, de la balle. Mm-hmm. On est une équipe qui partage le plus de ballons, qui a le plus d'assists dans cette compétition. Donc je pense que ce genre d'équipe-là est difficile à jouer. Et quand elle est dans son jour où elle partage le ballon, c'est dangereux pour l'équipe adverse. Alors, cette conférence Sahara, hein, nous a livré de belles surprises, hein, jusqu'à la dernière minute de la compétition. Et ce ne sont pas les invités qui vont nous dire le contraire. On a eu des palpitations ici, hein, à Abidjan. J'imagine que vous aussi, vous en avez eu, hein, du côté de Dakar. En tout cas, on va faire le point dans un instant. Mais avant de faire ce point, Prézi, moi, je voudrais vous poser une question. Oui. On a vu, hein, les renforts, hein, que vous avez utilisés, hein, pour justement renforcer cette équipe de l'ABC. On a vu Haruna, on a vu Obekpa, on a vu Robinson ou encore Billet. Comment vous jugez, vous, en votre qualité de président, l'apport qu'ils ont eu au sein de cette équipe? Ce qui est certain, c'est que quand on fait appel à des joueurs extérieurs, c'est parce qu'on pense qu'ils peuvent apporter beaucoup. Et ça a été le cas. Mais comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a eu quand même, à un moment donné, les joueurs ont déjoué. Mm-hmm. Et c'est ce qu'il fallait rectifier, c'est ce que nous avons fait la première fois. Et pour le match contre le Mali, malheureusement, il y a eu une information qui a circulé. Tout le monde pensait que nous étions qualifiés. Étions qualifiés. À partir de ce moment, il y a eu un petit relâchement, je pense, au niveau des athlètes, qui se disaient on est déjà qualifiés. Donc, et puis, il y a eu aussi un complexe parce que le Nigeria comme le Mali, c'est des équipes que nous avons toujours battues et je pense que les enfants n'ont pas respecté un peu, ils ne sont pas restés humbles pour chose, donc ils ont attaqué ces matchs-là différemment que contre l'AS Monastir. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui explique cela. D'accord, très bien. Bon, on va le faire, ce point, hein, de toutes les autres rencontres. C'est avec Armel Yao et Marco Seri, regardez. Ils étaient 6. Ils ne seront plus que 4 à Kigali pour les play-offs de la saison 3 de la BAL. La conférence Sahara a rendu son verdict. La conférence Sahara de la Basketball Africa League saison 3 a refermé ses portes le mardi dernier. Au terme des 5 journées de match, le Stade Malien, l'Association Sportive des Douanes, le Rwanda Energy Group et l'Abidjan Basket Club ont décroché leur ticket pour les phases finales. 5e de la conférence Sahara, avant le dernier jour de la compétition, le Stade Malien a renversé la situation en sa faveur. Auteur de 3 victoires et 2 défaites, Berthe Souleymane et ses coéquipiers terminent en tête de la conférence Sahara après leur brillante victoire sur les éléphants de l'ABC Fighters. L'Association Sportive des Douanes, après avoir enregistré 2 défaites d'affilée, est parvenue à accrocher la 2e place de cette conférence. À domicile, les douaniers sénégalais ont réalisé une belle remontada et une belle performance en s'offrant le tenant. Première équipe à décrocher son billet pour l'étape de Kigali, le Rwanda Energy Group termine à la 3e place de la conférence.
Les Rwandais, après avoir remporté leurs trois premiers matchs, sont tombés lors de leurs deux dernières sorties sans conséquence. Pour sa première participation à la balle, l'Abidjan Basket Club a pris le dernier billet pour le train qui mène à Kigali pour les phases finales de la troisième saison. Les Fighters ont remporté trois matchs, dont un face aux Tunisiens de l'Union Sportive Monastirienne, vainqueur de la précédente saison de la Basketball Africa League. Quelles sont belles ces images de la coach Mills. J'imagine qu'elle est extrêmement fière de ses joueurs. Et j'espère en tout cas qu'on aura encore de belles images comme ça à vous proposer. Ce sera lors des play-offs, les play-offs qui se tiendront donc du 21 au 27 mai prochain. Mais avant ces play-offs, eh bien, il y a l'autre conférence qui doit s'affronter. Alors, nous, c'était la conférence Sahara. Il y a la conférence Nil qui sera également diffusée sur NCI. Stéphane, selon vous, quelle est la plus grosse équipe de la conférence Nil? Après l'expérience... Parce que c'est du lourd, hein, là-bas. Non, mais après l'expérience qu'on a vécue dans notre conférence, on ne peut pas dire forcément qu'il y aura une grosse équipe dans la conférence du Nil. On peut peut-être essayer de mettre une pièce sur Al Ahly. Non, c'est ça. Le Al Ahly et puis le Petro. Il y a le Petro, voilà, oui, parce absolument. Que comme c'est deux grosses équipes qui ont l'habitude... Exactement, qui ont l'habitude de la compétition et qui ont l'habitude soit des demi-finales ou des finales. Donc voilà, on peut mettre une pièce sur ces deux équipes-là. Sinon, après ça, comme j'ai dit, vu la surprise que notre conférence a donnée, je pense que la conférence aussi du Nil peut avoir beaucoup de surprises. Alors le fait d'être la première équipe ivoirienne à arriver à ce stade de la compétition, c'est plus une pression pour vous ou bien une motivation supplémentaire? Moi, je pense que c'est même pas une surprise. C'est juste qu'on doit prendre plaisir. Pour nous, il n'y a aucune pression particulière. Parce que quand tu te mets une certaine pression, après, tu déjoues. Mm-hmm. C'est juste qu'on doit aller prendre plaisir, profiter du moment, profiter de la compétition. Et puis, c'est un seul match. Mm-hmm. Un seul match à élimination directe. On ne sait pas ce qui peut arriver. Absolument. Parce que nous, on est passé de l'équipe qui était à la première place à presque éliminée. Et l'équipe qui était éliminée, presque, on va dire ça, éliminée comme ça, à la première place. Mm-hmm. Tout peut arriver dans le sport. Mm-hmm. Et quand tu gagnes, tu profites quand tu perds aussi, tu tires des leçons. Absolument. Ouais. Prézi, c'est pour vous la dernière question. Hein. Mm-hmm. Pour ces play-offs, est-ce qu'on doit s'attendre à des changements au niveau de l'équipe, au niveau du groupe? Bon, je pense qu'on peut s'attendre à des changements. Mais pour le moment, nous allons tirer les leçons de notre parcours à Dakar et nous allons prendre les dispositions qu'il faut. Parce que nous voulons partir à Kigali, la tête légère, et être sûr que nous pouvons ramener le trophée à Abidjan. C'est un objectif, donc on va s'atteler à rectifier le tir, à voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et nous allons tirer les leçons et prendre les décisions. Et à chaud comme ça, c'est quoi les premières leçons que vous tirez justement de cette expédition au Sénégal? Bon, les premières leçons, c'est qu'il y a eu des joueurs qui ont déjoué. Et les raisons, on les identifie. Et puis, peut-être au niveau du management de l'équipe. Ce qui est sûr, nous sommes en plein dans les analyses et nous allons prendre les décisions nécessaires pour que, à Kigali, nous allons jouer nos chances crânement pour revenir. C'est, comme l'a dit Stéphane, à partir de Kigali, c'est un match. On va pour jouer trois matchs, il ne faut pas perdre un. Mmh. Voilà. Donc on fera tout comme on l'a fait à Dakar pour bien rentrer dans la compétition et puis pour avancer le plus loin possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, pour terminer avec ce journal de la balle, hein, voici le top 5 des meilleures actions de cette conférence Sahara. Régalez-vous. These are academy players, and so as I mentioned, there are five new teams.
Eh ben voilà, merci beaucoup Stéphane Konaté, merci beaucoup Président Touré, et ben nous on se donne rendez-vous donc du 21 au 27 mai hein, pour les play-offs de la balle, mais avant cela, eh ben, n'oubliez pas que vous pourrez suivre hein, les matchs de la conférence du Nil ben, sur NCI, bien évidemment. Allez, on va marquer une toute petite pause, juste après, eh bien, on passera au football, oui, on débriefera hein, la rencontre Côte d'Ivoire-Comores, et puis un beau programme pour vous accompagner jusqu'à 21h30. À tout de suite. Et c'est la deuxième partie hein, de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis de 20h30 à 21h30. Et ben oui, pour analyser hein, l'actualité sportive de la semaine. On vient de terminer avec la Basketball Africa League. Et merci d'ailleurs hein, à Stéphane Konaté, au président de l'ABC, le président Touré, hein, d'être venu nous faire un petit compte-rendu. Et bien là, maintenant, on va passer au football. Et oui, il y a eu un petit changement hein, sur le plateau. Voilà. On accueille maintenant nos consultants Patrick Guité et Nasser Eddy. Bonsoir Patrick. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Vous allez très bien. Bon, de retour de de Boaké. De Boaké. Et oui, oui, oui. On voit que vous avez bien bronzé, hein, Patrick Guité. Vous êtes bien amusé là-bas. Et Nasser Eddy, bonsoir. Salut Tia. Ah, vous avez pris des couleurs aussi, Nasser. Oui, et joyeux anniversaire encore à vous deux. Absolument. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va passer donc au débrief hein, de ce Côte d'Ivoire-Comores. Dans une ambiance électrique, les éléphants ont assuré le résultat en battant les Comores 3 buts à 1 au stade de la paix hein, de Boaké lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 jouée le vendredi 24 mars 2023. Très attendu pour son retour en sélection, eh bien Sébastien Haller a répondu aux attentes en inscrivant un but de la tête à la 61e minute. Mais avant, Christian Kouamé a ouvert la voie du succès hein, à la 29e quand Jean-Philippe Crasso, entré en cours de jeu, a conclu le récital. À la 89e minute, les Comoriens ont réduit le score hein, au bout du temps additionnel pour sauver l'honneur. Donc c'était à la 90e plus 3. Alors messieurs, on va en parler ensemble. Alors les éléphants ont assuré l'essentiel hein, en battant les Comores. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation qu'ils ont eu à nous proposer? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Une équipe sérieuse surtout, une équipe qui n'a pas regardé son adversaire de haut. C'est vrai que ce sont les Comores, mais c'était quand même un adversaire qui jouait dans sa qualification pour la CAN. Et les éléphants, eux, en tout cas les éléphants ont remanié, on va le dire ainsi, parce que ce n'est pas les potentiels titulaires qui étaient là. Mais en tout cas, ceux qui étaient là avaient envie tout simplement de garder leur place et ont produit un match assez sérieux, même s'il y a eu une tâche. Une petite tâche en fin de partie avec ce but encaissé qui aurait pu être évité. Donc pour ma part, les éléphants ont été sérieux face à une équipe de Comores qui n'a pas été voilà, très extraordinaire tout simplement sur la pelouse du Stade de la Paix. D'accord, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, plus ou moins, mais je pense qu'on avait quand même une grande partie des titulaires hein, potentiels enfin, que l'on espère retrouver dans un an, dans 10 mois. À la prochaine CAN, hormis Seko Fofana et peut-être Wilfried Zaha. Oui, Zaha, oui. Oui, donc l'essentiel était là. Mm-hmm. Après, moi, j'ai trouvé une équipe, oui, sérieuse, qui a maîtrisé son sujet. C'est toujours, pas toujours facile face à ce genre d'équipe. Et moi, j'attendais beaucoup plus des Comores après ce qui nous a été donné de voir à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mm-hmm. Par cette équipe, j'ai été déçu par leurs prestations. Donc, en face, c'est difficile après de juger les éléphants de Côte d'Ivoire, alors qu'il n'y a presque rien eu en face. Mais on va retenir le résultat déjà, l'essentiel a été fait. Et puis, il y a eu du sérieux, il y a eu du bon et du moins bon. On parlera peut-être des individualités tout à l'heure. Mais voilà, en gros, il faut retenir le résultat au moins et puis le sérieux qui a été mis dans la prestation. Alors, fait marquant hein, de cette rencontre, c'est ce but hein, de Sébastien Haller, donc, qui a retrouvé hein, les chemins des filets. Un but marqué sur un centre de Senghor. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement tout simplement ce qu'on demande à ses coéquipiers hein, pour lui permettre d'être un peu plus décisif en sélection? Absolument. Ben, je le disais dans la tribune avec Eddy également, qui n'était pas très loin. Il faut jouer dans le registre de l'attaquant, c'est tout simplement cela. Sébastien Haller, c'est pas un joueur de ballon, c'est un finisseur. Et quand il est dans la surface de réparation, il faut mettre le ballon dans son registre. Et son registre, c'est très souvent dans les airs, et les airs, c'est son jardin. Et quand vous lui mettez les ballons dans un bon timing,
ben, il est exceptionnel, tout simplement. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a eu le débat de qui doit s'adapter à qui, est-ce que c'est lui qui doit s'adapter à l'équipe ou c'est l'équipe qui doit s'adapter à lui. Dans un match de football, il faut gagner, et pour gagner, il faut marquer des buts. Et c'est lui qui est commis par la tâche, c'est Sébastien Haller, donc il faut le mettre dans les dispositions. Et c'est vrai que l'entrée de Sengo Wilfried a apporté beaucoup plus de verticalité, de jeu simple, rapide et direct, pour permettre donc à Sébastien Haller de se mettre en exergue. Alors, dans un rôle de soutien, hein, ou ailier, on a vu un Christian Kouamé un petit peu plus décisif également. Est-ce qu'on peut dire que le sélectionneur Gassé a trouvé la solution pour le rendre un peu plus productif? Peut-être, ça avait déjà été le cas face à la Zambie en juin dernier à Yamoussoukro, exactement, à peu près dans le même rôle et dans le même système de jeu. Il avait émergé, ça avait été l'un des hommes du côté de Yamoussoukro, donc il l'a confirmé vendredi passé du côté de Boaké. Peut-être que c'est finalement dans ce registre-là, si on veut utiliser Christian Kouamé, qu'il faut l'utiliser plutôt qu'en pointe, en neuf, en buteur. Donc oui, ça a été pour moi l'homme du match. Est-ce le nouveau Kodja de Boaké? Est-ce le nouvel homme de Boaké après Kodja? On le saura peut-être lors des prochains matchs, mais franchement, très bon match dans l'intensité, dans le choix, dans les déplacements. Sur son but, il y a une qualité de déplacement et un sang-froid également face au gardien pour placer ce ballon-là. Parce qu'en 5 secondes comme ça, c'est pas toujours facile, hein, pour un attaquant face à un gardien tout seul. Quel choix il faut faire? Est-ce qu'il faut lober? Il faut dribbler? Il a gardé son sang-froid, il a placé ce ballon-là pour ouvrir le score et libérer ses coéquipiers. Parfait pour moi. Alors Patrick Guité, je voudrais qu'on parle, hein, de cette défense centrale. Un duo, Bailly, Sylla Aboubakar. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bon, je pense que pour moi, à l'observateur, je n'aime pas voir deux défenseurs au même profil dans l'axe. Voilà, que ce soit Aboubakar ou Eric, ils ont quasiment le même profil. Après, Aboubakar s'est sorti a sorti son épingle du jeu. Hein. Il a été, pour moi, costaud, il a été serein, même s'il y a eu quelques erreurs de relance qui auraient pu être préjudiciables à la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il a vraiment tenu la baraque. Il a vraiment, vraiment tenu la baraque. Après, Eric a joué un tout petit peu dans son nom, puisque lui, il a un peu plus en jambes. Eric, lui, était en train de rechercher du temps de jeu. Et on a vu que quand Eric faisait certaines courses, eh bien, il était physiquement éprouvé. Donc, on sentait qu'il manquait véritablement de temps de jeu. Mais c'est petit à petit, eh bien, qu'il reprendra, on va dire, goût donc à la compétition. Mais sinon, pour ma part, la défense centrale a été parfaite. D'accord. Bon, on va continuer à en parler, hein, de cette rencontre. Mais vous savez que, comme toutes les semaines, hein, eh bien, on vous donne la parole, hein, dans NCI Sport. Les éléphants vous ont-ils convaincu dans le jeu? Eh bien, Marco Seri a rassemblé vos meilleures vidéos dans Facecam. Regardez. Vraiment, j'ai apprécié la prestation de la Côte d'Ivoire. Je les souhaite bonne chance et en tout cas de garder le cap. Le meilleur reste à venir. Franchement, moi j'ai adoré la cohésion, j'ai adoré l'intervention de Philippe Crasso. Il avait sa touche à lui, il a apporté un truc, il a changé le rythme du jeu et franchement son but était magnifique. Mais surtout la performance de Justin Kona, il était très endurant. C'est lui qui a fait la passe pour le troisième but de Crasso. Et puis j'ai aimé aussi le jeu de Sébastien Haller. Franchement, il y avait du talent. Il y avait Sébastien Haller qui était là pour ramener sa petite touche. Franchement, on a adoré. Merci, les gars. Nous sommes très fiers des Ivoiriens. Bon, bon match à Justin Kona. Bon match des choses aussi à l'heure. La panthère ou Franck Kessier? Franck Kessier, le père. Oh, il a toujours tué. Ils ont bien commencé le match, ils ont mal terminé. Parce qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Mais il y a des très bons joueurs dans l'équipe et on espère qu'on va garder la canne. Franchement, ils n'ont pas convaincu. Il y avait beaucoup de failles dans le milieu. J'aimerais vraiment que l'entraîneur se penche sur ce cas-là. Nous allons aller au comment le mardi. J'espère que là, l'entraîneur sera à mesure de mettre les éléments qu'il faut. Nous sommes à quelques encablures de la CAN et il n'y a même pas de type. Franchement, qu'il essaye de se réveiller. On pense que c'est loin, mais ce n'est même pas loin. C'est déjà arrivé. Franchement, on a besoin d'une équipe forte, d'une équipe solide
pour que les Ivoiriens soient fiers de l'équipe nationale. Ils ont bien joué quand même. C'est-à-dire leur temps fort, là, ils ont su concrétiser ça. Et puis le reste, là, ils se sont amusés, ouais, c'était bien. Mais, les fins de match, il faut que M. Gassé puisse corriger les fins de match. Le match était très fade. Si je devais jouer les... Si je devais citer plutôt les quatre joueurs qui ont vraiment fait ce match, il y avait Christian Kwame, Ghislain Konan, Ahmed Traoré, et puis à la deuxième mi-temps, Karim Konaté, Eric Bailly, Franck Essier, Alain n'ont vraiment pas fait un match. Ils étaient dans le match, mais c'est comme s'ils n'étaient pas dans le match. L'équipe ivoirienne ne m'a pas trop convaincu parce que bon, c'est face à des Comores qui ne sont pas forcément d'une grande nation de foot. Donc j'imagine si c'était là contre le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, qu'est-ce qui se passera. Donc j'aime l'équipe ivoirienne, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts. Merci beaucoup la RCI. Les éléphants ne jouent rien. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité, les éléphants, ils n'ont pas un rythme de jouer. Parce que quand tu regardes les Sénégalais jouer là, tu sais qu'ils ont envie de jouer. Quand tu regardes mal des Sénégalais là, tu sais qu'ils ont envie de jouer. Éléphants même là, ils n'ont pas devant, ils n'ont pas derrière. Hein? Merci à tous les éléphants. Bon match à vous. On croise les doigts pour être au stade la prochaine fois. Bon, ben vous l'avez vu, hein, les avis sont assez mitigés quand même, hein, quant à la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Comores. Lors de la conférence de presse, hein, le sélectionneur avait dit qu'il avait déjà une idée de son groupe. Vous partagez son avis ou pas, Nasser? Je pense que sur les 23 ou 26 joueurs qu'il faudra appeler pour la CAN, on verra dans 10 mois, je pense qu'il doit avoir quand même 18 déjà sûrs dans sa liste. Ça, mm-hmm. Je pense, ensuite, les 5, 6 autres... ça sera des choix de dernière minute qui seront dictés par des méformes, par des éclosions. On a encore 10 mois et puis aussi par des blessures. On n'espère pas, on croise les doigts, mais bon. Voilà. On croise les doigts. Alors, la préparation des éléphants, hein, pour les 3e et 4e journées de la CAN a démarré il y a quelques jours. D'Abidjan à Moroni, Eustache Niaba et Moon vous relatent la palpitante semaine des éléphants. Pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire dispute tout de même les éliminatoires de la compétition. Mais contrairement aux autres sélections, qui doivent batailler pour oblitérer leur ticket, les éléphants, eux, se servent des matchs pour préparer ce grand rendez-vous. Pour affronter les Comores, dans le cadre des 3e et 4e journées, le sélectionneur national, Jean-Louis Gassé, a fait appel à 23 joueurs. Qui veut être à la CAN doit mériter sa place. NCI Sport vous plonge au cœur de la semaine des éléphants. Lundi 20 mars, le gros du contingent des joueurs convoqués par Jean-Louis Gassé atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Parmi eux, Sébastien Haller. Depuis sa victoire sur le concert, c'est la première fois qu'il revient au pays. L'ambiance est indescriptible. Hey, robot, robot, Sébastien. C'est juste incroyable pour moi de pouvoir revenir déjà après 9 mois. Ça n'a pas été simple. Mais de revenir avec un accueil comme celui-là, forcément, c'est un rêve. Donc voilà, on a juste hâte de pouvoir commencer, d'être sur le terrain, de voir les coéquipiers, de voir tout le monde. C'est pour ça qu'on joue aussi. On est venu pour justement continuer à atteindre les objectifs. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout le groupe qui va devoir être uni et voilà, bosser ensemble pour aller chercher les objectifs qu'on veut réaliser. Depuis des années, Serge Kwame et ses amis suivent l'attaquant de Dortmund. Alors, au moment où leur idole fait son retour, après son combat contre le cancer, ils ne pouvaient que lui réserver un tel accueil. Le fan club existe depuis 2 ans déjà. Et il faut dire que ça a été créé le 11 novembre 2020. Moi, j'ai créé la page, je ne le connais pas. Mais je le suis depuis un bon moment, depuis Auxerre. Je le suis et j'ai créé la page pour le soutenir. Donc c'est par là que tout est parti.
Quelques heures plus tard, ce sont les retrouvailles à l'hôtel des éléphants. Les anciens internationaux, aujourd'hui dans le staff de l'équipe nationale, accueillent leurs cadets avec beaucoup de chaleur. Mardi 21 mars, premier jour de stage pour les éléphants. C'est par une séance en salle que les choses démarrent. Musculation, exercice avec ballon, tapis de course, les éléphants sont concentrés et appliqués. Moi, tout ça, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et ça donne encore plus envie de se battre pour tout le monde. Jeudi 23 mars. Passé les émotions de la veille, la sélection ivoirienne déroule son programme. Notamment la très attendue conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Tout le monde attend des explications relativement aux absences de Seko Fofana et Wilfried Zaha, mais aussi la sélection surprise de Jonathan Bamba. J'ai échangé avec les joueurs, comme avec beaucoup de joueurs. Et j'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko ni Wilfried. J'aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Sachez que Jonathan Bamba, j'ai travaillé avec lui à Saint-Etienne. Tout le monde est au courant. Je l'ai convoqué. Il s'est blessé. J'ai eu Jonathan Bamba qui était désolé de ne pas pouvoir honorer sa première sélection. Après la conférence de presse, les éléphants retrouvent le stade de Boaké pour l'entraînement de veille de match. Vendredi 24 mars, jour de match. Boaké retrouve les éléphants 5 ans après leur dernier match. 14h, le bus des éléphants quitte l'hôtel, direction le stade. Une poignée de minutes plus tard, la sélection ivoirienne est au stade de la paix pour affronter les Comores. Pour leur premier rendez-vous de 2023, les éléphants ont fait le job. Les gens aient répondu à l'appel et aujourd'hui ça a été une très belle ambiance en plus d'avoir une belle pelouse. Ça pour nous c'était de gagner. Nous l'avons fait, le public a répondu présent et puis je pense que nous sommes en train de préparer notre camp petit à petit. J'espère que le jour J nous serons prêts. À chaque fois qu'on est venu jouer à Boaké, ça s'est toujours bien passé. Là en plus il y a un nouveau stade, franchement ça a changé parce que quand on venait ici on voyait le stade un peu plus reculé, là c'est un peu plus, c'est magnifique. Samedi 25 mars, au lendemain du match aller, les éléphants se sont envolés pour Moroni, la capitale des Comores, pour le match retour. Du changement chez les éléphants, le capitaine Serge Aurier et le défenseur Odilon Kossonou ont déclaré forfait après des examens médicaux. Jean-Louis Gasset a donc fait appel au latéral de l'ASEC Mimosa, Yao Atoola Kwasi. Dimanche 26 mars, l'avion transportant la sélection ivoirienne atterrit à l'aéroport international Moroni, Prince Saïd Ibrahim, sur les îles Comores. Ce mardi, la bande à Gasset tentera de finir la semaine internationale comme elle l'a débutée. Alors vous l'avez entendu, hein, il y a quelques instants, par rapport à la liste initiale, hein, du sélectionneur Gassé, on note deux absents, Serge Aurier et Odilo Kossonou. Messieurs, pourquoi le sélectionneur les a remplacés uniquement par le défenseur de la SEC, Atoula? Peut-être parce qu'il n'a pas trouvé de défenseur central pour remplacer Odilo Kossonou, là, sous la main. Et puis après, on a Sylla Bakar, on a Eric Bailly. Je pense que ça va pouvoir tenir la route. Après, sur le côté... Flamengo Bamem qui peut jouer défenseur central également. On a bien sûr plusieurs autres qui peuvent faire des dépassements de fonction comme ça. Mm-hmm. Et puis, bon, Atoola pour seconder Sengo qui sera très probablement, voire quasiment sûrement le titulaire demain. Alors, Patrick Guité, comment est-ce que vous entrevoyez la rencontre de demain, hein, face aux Comores? Vous pensez qu'il y aura des changements ou pas? Des changements, oui, par rapport au 11 qui a débuté à Boaké.
Alors, on a dit Serge Aurier qui est blessé, donc forcément Senghor va devoir faire son entrée. On va certainement ménager Eric Bailly également, qui pour moi, qui physiquement n'est pas top top. Et puis regarder dans le milieu de terrain pour voir qui peut remplacer également Ahmed Traoré, qui pour moi a été très bon dans cette partie face au Cobra. En tout cas, c'est un match sérieux, encore face à une équipe des Cobra qui va cette fois attaquer, je pense. D'accord. Alors, on va maintenant passer à l'inside. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, des supporters ont créé une animation visuelle, communément appelée Tifo. Le résultat est diversement apprécié. Alors, certains ont aimé l'initiative, d'autres se sont un petit peu moqués, disons ça comme ça. Eh bien, sachez qu'NCI est la seule chaîne à vous montrer la conception de ce Tifo et son déploiement étape par étape. Et ce, grâce à Yves Borisvet, Armel Yao et Hervé Kiesse. Regardez. À l'occasion du match des éléphants face aux Comores, un Tifo a été mis en place par un groupe de supporters ivoiriens afin de mettre de l'ambiance de l'animation lors de cette rencontre. Et pour la réussite de ce projet, trois membres des Winners 1987 de Marseille ont effectué le déplacement pour apporter leur expertise. Jamil, Hamza et Yanis, donc ce sont les membres de South Winners, qui est un groupe ultra de l'Olympique de Marseille. Et ils sont spécialisés en tifo, en animation de tribunes. Et donc ils existent depuis les années 1987. Et donc ils sont vraiment, vraiment des experts en tifo et que nous suivons depuis un certain temps. Et que nous, avec Chaba, que j'appelle Chaba Boubacar Thio, qui est responsable des ultras ivoiriens. Et donc, nous avons eu cette idée-là d'importer cette marque de fabrique des Marseillais ici en Côte d'Ivoire pour donner un nouveau sens au mot « supporter ». Bah, on y va ? On y va. Allez. Nous sommes vraiment contents. Bon, d'être là quoi. Vraiment très beau. Un joli stade. Vraiment, on remercie le président pour ce joyeux qu'il a fait pour la ville de Boaké. C'est vraiment ému le vieux. Les mots me manquent, mais franchement dit. Les Winners vont vous donner des consignes. Ils vont vous montrer comment rouler le papier. Il y a près de 11 000 papiers à rouler. Donc si on est concentré, ça va vite aller. On va vite rentrer chez nous. Je compte sur vous, hein, les gars. Discipline. On est très heureux d'être ici. Franchement, ça nous fait plaisir qu'il y ait autant de monde. Nous, ce qu'on va faire là pour vous, c'est notre passion, c'est notre quotidien. C'est ce qu'on vit tous les week-ends avec l'OM, que ce soit au Vélodrome ou dans tous les stades en Europe. On a fait beaucoup de stades, on a voyagé, on a fait plein de trucs grâce à l'OM. Et on espère, enfin, nous on est venus aujourd'hui pour ça, c'est essayer de vous apprendre ce truc-là. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens, à part dans l'Afrique du Nord, qui sont un peu spécialisés dans les tifos. Mais de votre côté à vous, il n'y a personne. C'est une première. Et ce qui est important dans un groupe, c'est la hiérarchie. Ce soir, on va rouler. Ça va être des feuilles. Donc, on va vous montrer comment on roule les feuilles, comme nous, on fait au Vélodrome. Dernière chose, c'est votre tifo. C'est vous qui êtes impliqué dans ça, donc ça va être votre bébé. Ça veut dire que là, on va rouler, demain, on va l'installer. Mais quand il faudra le sortir, il faudra réveiller les gens. C'est quand on dit importer ce truc-là, vous êtes là pour ça. Donc le jour du match, il faudra vraiment inciter les gens. Tous les 5 minutes, c'est pas grave, parce qu'après, il y a des personnes qui oublient. Nous, encore, ici, normalement, il n'y a pas ce problème. Nous, à Marseille, on a le problème. Il y a des personnes, ils viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures avant le match, ils font que boire. Et arrivé au moment du match, il s'assoit, il dit dorme. Voilà. Je vais vous montrer comment on roule un tas de tables, c'est simple. On prend la feuille, on pose par terre, on plie une fois. Bien, deuxième fois,
Et après, on roule. C'est simple. Comme ça. On roule bien, bien serré. Hop. Dès qu'il est comme ça, ça veut dire qu'il est bien fait. À la fin, on prend l'élastique. L'élastique. On le met. On fait un petit tour. Deuxième fois. Et c'est fait. Pour le faire, tout le monde va s'asseoir par terre, on se met par terre, on va prendre un peu de feuilles chacun. Et à chaque fois, on va essayer d'en prendre 30 feuilles chacun, ou même si on vous fait 10, après on refait 10. Si quelqu'un n'arrive pas, on l'explique. Après, ce qu'il faut faire, c'est du travail. Là, il faut finir. Dès qu'on a fini, on rigole, on parle, on s'amuse. Là, on fait le travail. C'est une première en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, la plus participeuse. Ajouter ma touche à la fin. C'est motivant. Il y a l'équipe nationale, donc ça convient de venir. Voilà, c'est pour nous en fait. Scotcher derrière le siège, ça va être scotché. 5 minutes avant l'entrée des joueurs, on va dire aux gens, prenez-les, ne les ouvrez pas. Donc ils vont faire quoi? Ils vont juste faire ça. Ils attendent. Dès que les joueurs rentrent sur le terrain, là, on va dire ouvrez, et les gens, ils auront juste à faire ça. Et tout ça donnera le ticket. C'est tout, c'est simple. Il n'y a pas plus simple. C'est motivant, c'est encourageant pour la suite, en espérant que les jeunes s'imprègnent de cette culture-là, et que, comme il a dit dans 10 ans, comme il a dit Jamel dans 10 ans, ben on regarde à la télé et on dit oh, c'est eux qui ont fait ça. Voilà. Bah maintenant, on va donner les instructions et on va commencer le travail. Le vrai travail commence maintenant. Les escaliers sont blancs et verts là. C'est facile. Donc ce plastique-là, il faut le décaler. Celui-là, on va le mettre là-bas. Celui-là, ouais. On le décale de 1, on le décale de 1. Mais il faut quand même 5 bouches. Oui. Bah là, on est en train de scotcher des sets de table, des feuilles, de couleurs. Chaque siège correspond à une couleur. Donc là, il est en train de dire à une équipe qui le suit avec des couleurs de poser les papiers. Moi, je suis en train de vérifier en même temps. C'est la partie finale pour le match, pour l'animation du match. Donc il y a deux équipes, une équipe qui pose les couleurs et une autre équipe qui les scotche directement au siège. Au siège. Comme ça, le jour du match, le spectateur peut récupérer le set de table, l'ouvrir au moment donné et ça donnera le tableau. Bouaké aura essayé de se créer un tifo lors du match face aux Comores. Les organisateurs ne sont pas du tout déçus. Ils comptent retenter l'expérience lors du prochain match des éléphants. Et ben voilà, on peut le dire maintenant. Voilà. En Côte d'Ivoire, on a nos tifos, hein, et on sait le faire en tout cas. Hein. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, rapidement? Mais superbe, superbe déjà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu le résultat escompté à la fin, visuellement parlant. C'est peut-être dû au fait que la tribune n'était pas remplie parce que, comme on l'a vu, chaque siège a son bout papier, de papier. Ouais. Et chaque bout de papier est important. C'est comme un puzzle, au fait. C'est chaque pièce qui constitue l'ensemble. Et quand il en manque, malheureusement, on n'a pas au final le résultat qu'il y a eu. Mais c'est à encourager. Et bravo, bravo aux initiateurs. Mm-hmm. Moi, j'apprécie déjà l'élément qu'a fait NCI Sport pour montrer un peu tout le travail qui est derrière. Parce qu'on a l'impression que voilà, c'est quelque chose qui est facile. Mais il y a un gros travail qui est derrière. Les gens ont veillé pour pouvoir réaliser ça. Malheureusement, ça n'a pas été ce qu'on aurait souhaité. Et bien, il faut qu'également les organisateurs puissent accepter les critiques. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime bien chambrer. C'est pas très méchant. Mais je pense que pour le prochain événement, que ce soit au foot, pourquoi pas au basketball, on pourra faire un tifo géant pour... voilà. D'accord, très bien. Ben, en tout cas, voilà, c'était le Inside. Hein, et on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder et que vous avez appris surtout beaucoup de choses. Alors, on va marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans un instant. On parlera des autres matchs, hein, des qualifications pour la CAN 2023. Et puis, on fera un point sur le tournoi U23, puisque les Ivoiriens ont joué. À tout de suite. Et on est de retour sur le plateau de NCI Sport pour la troisième et dernière partie, hein, de ce numéro. Toujours en compagnie de Patrick Guité et de Nasser
commentaire est dit et on poursuit avec les éliminatoires de la CAN 2023. 12 groupes sont concernés par ces éliminatoires. Il y avait donc des matchs sur presque toutes les pelouses du continent. Et bien, résumé de quelques rencontres avec Eustache Niabat, Hervé Kiessé et Moon. Regardez. Il s'est passé beaucoup de choses en cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Regardons ensemble. Algérie 2, Niger 1. Tout commence le jeudi avec l'Algérie qui reçoit le Niger. En première mi-temps, les Fennecs ont du mal à bouger leurs adversaires, bien en place. C'est même le MENA qui surprend son hôte sur le long ballon, Sosa trempe Mandrea d'un subtil ballon piqué. Au retour des vestiaires, Ben Madi fait trois changements payants. Bouneja, entrée de jeu, remet les deux équipes à égalité peu avant l'heure du jeu. Alors qu'on semblait se diriger vers un match nul, les Fennecs prennent l'avantage dans les dernières minutes grâce à Riyad Mahrez. L'Algérie se rapproche un peu plus de la Côte d'Ivoire. Nigeria 0, Guinée-Bissau 1. Au stade national Moshood Abiola d'Abuja, vendredi, la Guinée-Bissau a créé la surprise en allant s'imposer au Nigeria grâce à une réalisation de Mama Baldé à la demi-heure de jeu. RDC 3, Mauritanie 1. Dernière de la poule 1 avant cette troisième journée, la République démocratique du Congo a enfin pris des points. Opposée à la Mauritanie, les coéquipiers de Chancel Mbemba ont bénéficié d'un coup du sort avec l'expulsion de l'attaquant Mourabitou Nidrissa Thiam à la 23e minute. Du coup, les choses deviennent plus faciles pour les Léopards qui portent le premier coup de griffe par Gaël Kakuta, bien servi par Johan Wissa. 5 minutes plus tard, Cédric Bakambu double la marque juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Mauritaniens reviennent dans la partie grâce à Ali Abed, mais Arthur Masuaku tue tout suspense et valide la victoire des siens. Afrique du Sud 2, Libéria 2. À Johannesburg, les Bafana Bafana ont calé face aux Lone Stars. Pourtant, ce sont les Sud-Africains qui rapidement reprennent les devants grâce à un doublé de Lille Foster. D'abord à la 11e minute sur penalty, puis à la 22e minute. En seconde période, le Libéria va refaire son retard. Tonya Tisdel peu avant l'entame du dernier quart d'heure et Mohamed Sangaré dans le temps additionnel. Bonne opération pour les Lone Stars. Battue par l'Éthiopie lors de la journée précédente, l'Égypte s'est reprise contre le Malawi au Caire. Mohamed Salah a ouvert la marque, c'est son 50e but avec les Pharaons. Dans les arrêts de jeu de la première période, Omar Mamouche a scellé le match, offrant ainsi une précieuse victoire aux finalistes malheureux de la dernière CAN. Mali 2, Gambie 0. Le Mali poursuit sa belle lancée dans les éliminatoires. Face à la Gambie, les Aigles n'ont pas attendu longtemps pour se mettre en évidence. Dès la troisième minute, Kamori Doumbia ouvre la marque. Il sera imité dans les derniers instants du match par Adama Traoré. Le Mali avance tout doucement vers la Côte d'Ivoire. Sénégal 5, Mozambique 1. Le Sénégal se fait plaisir. Opposé au Mozambique, les Lions de la Teranga se sont imposés 5 à 1. Ilima Ndiaye, servi par Youssouf Sabali, lance le festival offensif des champions d'Afrique. Il est imité par Sadio Mané, Boulaïdia et Diallo. Burkina 1, Togo 0. De son côté, le Burkina Faso s'est contenté de l'unique but, inscrit par Tapsoba, pour battre le Togo. Cameroun 1, Namibie 1. À Yaoundé, le Cameroun a fait jeu égal avec la Namibie. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui trouvent les premiers la faille. L'attaquant du Mamelodi Sundowns, Peter Chaloulidé, permet aux Namibiens de mener au score à la 26e minute. Les Lions indomptables ont dû attendre le dernier quart d'heure pour revenir dans le match grâce à Olivier Michel Kemen. Guinée 2, Éthiopie 0. Le Sili National s'est imposé face au Walia d'Éthiopie 2-0. Les buts de François Kamano et Mohamed Bayo ont permis à la Guinée de prendre 3 points au stade Mohamed V de Casablanca, au Maroc. Tunisie 3, Libye 0. Terminons le point de cette troisième journée par la victoire de la Tunisie sur la Libye. Msakni et Mahaloul sont les buteurs de cette rencontre. Et pour l'instant, les trois nations qualifiées pour la CAN 2023 sont la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui a battu le Niger tout à l'heure. 1-0. Et on va terminer avec les résultats et classements des 12 poules à l'issue de cette troisième journée. Alors, dans le groupe A, au classement, donc premier, la Guinée-Bissau avec 7 points. Ouais, 7 points plus 5. Dans le groupe B, premier, le Burkina Faso avec 9 points.
dans le groupe C. Premier, le Cameroun, avec 4 points, 4 points plus 1 dans le groupe D. Premier, l'Égypte, avec 6 points plus 1 dans le groupe E. Premier, le Ghana, avec 7 points plus 4. Groupe F, c'est l'Algérie, hein, qui est en tête avec 9 points plus 5. Dans le groupe G, c'est le Mali, qui est en tête avec 9 points plus 8. Dans le groupe H, la Zambie est à la première place avec 9 points plus 3. Dans le groupe I, c'est le Gabon, hein, qui tient les rênes avec 7 points plus 2. Groupe J, la Tunisie est en tête avec 7 points plus 7. Dans le groupe K, c'est le Maroc, hein, Maroc deuxième qualifié avec 6 points plus 3. Et dans le groupe L, eh bien, c'est le Sénégal qui est devant avec 9 points plus 7. Voilà. Allez, on va terminer avec le dernier sujet de la soirée. À l'ombre de la sélection A, qui dispute les éliminatoires de la CAN 2023, eh bien, sachez que les espoirs, hein, ne chôment absolument pas. Ils disputent actuellement le tournoi international des U23 au Maroc. Antoine Mahon et Moon vous donnent des nouvelles de nos jeunes pachydermes. Regardez. Plus de 4 mois après leur élimination de la CAN U23, les éléphants espoirs ont rechaussé les crampons à l'occasion du tournoi Maroc U23 Challenge qui se déroule au Maroc du 20 au 28 mars 2023. Sous la houlette du DTN Ludovic Batelli, qui assure l'intérim de Emers Faé, Konaté Karim et ses coéquipiers disputent un tournoi regroupant le Togo, l'Ouzbékistan et le Maroc. Opposés d'entrée de jeu à leur homologue Lyon de l'Atlas U23, le mercredi dernier, les éléphants ont imposé leur dictat au pays hôte. Un doublé de Karim Konaté et de Saïd Dion ont permis aux Ivoiriens de s'imposer. Après avoir mené 2-0 dans le premier quart de jeu, les éléphants U23 se font peur en se faisant rejoindre au score grâce aux réalisations de El Ouadi et Ismaël Saïban peu avant la pause. À la reprise, les éléphants reprennent l'avantage grâce à Karim Konaté. Les Marocains tentent de revenir en vain. Les éléphants gardent jalousement leur avance jusqu'au coup de sifflet final. 2 jours après ce succès, les éléphants affrontent l'Ouzbékistan qui les contraint au nul 0-0. Ce soir, la Côte d'Ivoire joue contre les éperviers du Togo au complexe du Prince Moulay Abdallah. Bon, une belle sélection, hein, des U23 qui ne disputera malheureusement pas, hein, la CAN U23 et encore moins les JO en 2024. C'est un gâchis pour vous ou pas? Gros regret. Gros, c'est mon plus gros regret. Quand vous regardez, c'est une équipe avec une ossature, mais tellement merveilleuse pour moi. Avec tous ces... l'équipe A. Tous ces joueurs de Datro Fofana, Konaté Karim, en passant par qui? Djiré Abdoulaye dans le milieu de terrain. C'est dommage, c'est vraiment un gâchis. Mmh. Il y a eu une petite polémique, hein, concernant la présence du DTN sur le banc plutôt que Emers Faé, le sélectionneur de l'équipe. Vous comprenez cette polémique ou pas? Et vous avez des infos ou pas? Bah, je la comprends, parce que de toute façon, c'est Emers Faé qui est l'entraîneur, qui est le sélectionneur titulaire de cette équipe. Il est là, il est présent. Pour ma part, il n'y avait pas urgence à la tête donc, des éléphants de Côte d'Ivoire, où il y a Gassé, il y a Ghislain Printemps également qui sont là. Donc moi, je ne comprends pas. Après, c'est certainement l'organisation de la FIF qui le veut ainsi. Mais pour moi, je ne comprends pas que le sélectionneur soit nommé et qu'il ne soit pas à la tête de son équipe. Mmh. Oui, c'est d'autant plus incompréhensible qu'après les échecs répétés dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est maintenant que l'on prépare l'avenir de cette sélection-là. Et pour moi, la place d'Emers Faé, c'est au Maroc, quoi. C'est aux côtés de ces gamins-là. Surtout que l'équipe A ne joue pas pour un grand enjeu ces deux matchs face aux Comores. Donc, on n'a pas du tout compris. Et comme sur plusieurs autres sujets, il y a une opacité au niveau de la communication de la fédération. Bon, on espère avoir de plus amples détails dans les jours à venir sur ce choix-là.
D'accord. Bon, bah, en tout cas, ils ont bien joué, hein, on rappelle. Donc, ils ont battu le Maroc, hein, 3-2. Et puis, 0-0 face à l'Ouzbékistan. Et nos jeunes pachydermes donc, jouent ce soir face au Togo. On vous donnera les informations dans le prochain numéro de NCI Sport. Voilà, ben, merci beaucoup, hein, Patrick Guité. Merci, Nasser Eddy. Merci à vous. On espère que vous avez passé une belle soirée de sport en notre compagnie. Eh bien, le prochain rendez-vous, ben, c'est lundi prochain, à partir de 20h30. On vous souhaite de passer une excellente semaine et ben, on se quitte comme d'habitude avec des prolongations. Voilà, allez, belle soirée à tous et à lundi prochain. Bye bye. C'est ton jeu.